Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une vidéo Craft with me avec les seaux de cire de chez Craspire. Donc, je vous avais montré, j'avais testé avec vous les seaux que j'avais reçus. Donc je vous les remontre. Je vous mettrai le petit là-haut si vous voulez voir ma vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit code promo. Donc regardez, ils sont pas trop beaux. J'adore. Donc, ces quatre-là. Et j'avais aussi pris ce lot-là. Mais bon, je vous avouerai que moi, je les trouve trop gros pour moi. En taille comme ça, c'est combien? 25, je crois, centimètres. Ça m'irait mieux. Et dans mon autre vidéo, ma vidéo test, je voulais vous montrer, j'avais oublié de vous montrer, je devais plutôt vous montrer le rendu avec ce seau-là, donc à la colle chaude et avec un cire que j'ai fait à la perfo de Garden Party, papier de Garden Party. Donc j'ai testé. J'ai mis un petit sticker de Garden Party dessus. Et j'ai mis le stylo gold tout autour pour voir. Donc voilà, c'était un test. Après, je trouve que les bords, bon, c'est pas très net. J'ai recoupé un peu. Donc voilà ce que ça donnait. Donc ça, c'est OK. Donc du coup, alors, je voulais décorer ces petits sachets Craft. Parce que j'ai pris des seaux, mais en fait, c'est surtout pour faire ces seaux-là, pour faire mon journaling. Donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne, hein, je vous invite à y faire un petit tour, hein, ça me fera plaisir. Donc, c'est lolo972-journal. Il y aura un lien direct en barre d'infos. Donc, du coup, je vais décorer ces. Je pense que je vais prendre les deux, je ne sais pas. Avoir façon journaling avec petit cachet de cire. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Merci. Et ça, c'est des seaux, des cachets que j'avais reçus aussi lors d'un partenariat avec Craspire. Ils sont beaux, hein, c'est des étoiles. Donc, je vous mettrai aussi ce lien en barre d'infos. Je ne sais pas encore quelle couleur. Je vais utiliser à voir. Donc, je vais vous laisser en musique. Hein, je ne vais plus parler. Et on se retrouve à la fin. Thank you.
Et voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Donc, bah, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, laissez un petit commentaire. Hein. Si vous avez une petite préférence pour une enveloppe, blanc ou craft. Ouais, je les aime bien. Je les aime bien. Et franchement, au début, j'avais pas spécialement d'idée. Hein. La petite fleur, hein. C'est joli, hein. Franchement, elles sont très jolies. Voilà. Deux petites pochettes que j'enverrai sûrement à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner. Je vous rappelle le code promo. Vous pouvez avoir un code promo de 10%. Je vais l'écrire sur la vidéo. 10% blog DIY de Lolo972. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Cachet de cire. Cachet de cire, ils sont où? C'est cachet de cire. Pour celui-là, j'en ai utilisé deux. Et celui-ci, ouais, j'en ai utilisé trois. J'ai fait en premier, trois. Donc finalement, ouais, avec deux... Avec deux, ça passe, hein, parce qu'ils sont, ils sont gros. Le petit rond, le gros rond que j'ai fait avec ça. Donc voilà. Bon ben, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.